8. Ainsi parlait l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Il va détruire quoi? L'orgueil. C'est pas bien que les enfants de Dieu que nous sommes, nous soyons orgueilleux. Amen. Tout ce que vous voyez là, c'est éphémère. La seule chose qui reste, c'est le royaume de Dieu. Dieu te réclame son royaume. Quand tu es dans ta manger, tes voitures, tes maisons, tes malades, Dieu n'est pas là-bas. Amen. Mais il t'avait déjà offert toutes ces choses. Mais lui, il t'a donné ton esprit que tu sois aussi assis à sa droite. Il a fait même un témoignage avec une partie de son corps, Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris la chair comme quand il est revenu. La même si. Il y a des gens dans un salon qui n'ont jamais même salué quelqu'un avec le cœur joyeux, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas mentir le Seigneur. Personne n'est reconnaissant de ce que Dieu nous fait, et nous sommes vraiment devenus accusés. C'est le chant peuple qui refuse d'écouter les paroles, qui suit les parchemins de son cœur, et qui va prier notre Dieu pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme ce que c'est Dieu qui n'est plus bon à rien. Bien aimé, j'avais déjà vu la ceinture qui a été gâtée par l'eau. Non seulement que ça se dégrade, ça glisse, c'est laid à boire. C'est à peu près comme quelqu'un qui a de la lèpre. Quand quelqu'un a les lèpre avec des blessures partout là, peux-tu accepter de le regarder longtemps? Parce qu'il est impur, il est sale devant Dieu. Et c'est la même chose quand quelqu'un a gâté sa vie. À faire des énormités, à chercher des temps détruits, à chercher seulement la discorde, la division, à détruire l'œuvre de Dieu dans la nature, combattre dans son pays, combattre sa famille, et se dire qu'il est soit kamikaze ou quoi. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu est tellement les kamikazes, même les camions, même les machines, même les trains, même l'autre qui court en Europe, même les trous. Dieu combat de toutes ces choses. Vous avez déjà vu comment l'eau garde les choses en Europe? L'eau, ça casse des immeubles. Et tout ceci, ça nous brûle. Dieu est trop fort. Mon frère, sort dans l'orgueil. Sortez dans l'orgueil, mes soeurs, mes mères, sortons dans l'orgueil. Allions-nous. Il a des choses. Si toi, tu n'es pas fidèle dans les moindres, Dieu ne te donnera jamais des grandes choses. Les enfants vont venir en bas, ils vont te passer, ils seront tes patrons. Parce que tu es orgueilleux, tu es méprisant. Des fois, tu vas perdre ton foyer. Parce que tu es orgueilleux. Tout homme a besoin de sa valeur en vie. Alléluia. Même si tu es mal comme toi, ta beauté ne sert à rien si tu n'as pas mal. Et si tu es aidé quelqu'un, c'est de cet homme que la valeur est en toi. C'est Dieu qui l'a créé ici. Nul ne peut changer ce que Dieu a dit. Mais l'homme reste l'homme quand il marche selon la volonté de Dieu et non ses propres désirs. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je l'ai été attaché à toute la maison d'Israël. Et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle fuse mon peuple. Mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Le Seigneur s'est attaché à nous. Qu'on soit vraiment à lui entièrement, en nous offrant tout. Mais on avait le choisi. Qui est le choisi dans nos propres cœurs et nos intérêts? Et cela n'a pas laissé le Seigneur tranquille. Parce qu'il est tellement en colère, il faut que tu rentres les faits. Dans cette année 2019 qui s'achève, il ne faut plus que 2000 ans se trouver dans l'ancienne date. Enlevons les anciens manteaux et cherchons maintenant la vie qui est transparente. Cette vie transparente va nous apporter l'éclat. Et cet éclat sera arrosé avec des parfums de bonne odeur. Et c'est là où le Seigneur va tracer son chemin pour atteindre les nations. Parce que Dieu aime ce qui est connecté à lui.